mon nom c'est Jacinthe Chapdelaine, j'enseigne à l'école L'Odyssée. Bien, mon rôle, en plus d'être une enseignante à l'école, je suis bénévole dans le club écolo de l'école. Nous sommes en partenariat avec le programme Éco-École de l'Ontario. L'année dernière, nous avons eu notre certification platine, donc ça fait quelques années qu'on travaille très fort à l'école pour implanter des pratiques environnementales. En fait, l'activité consistait aujourd'hui à inciter les enfants à penser avant de consommer. Donc, l'enfant amenait tout simplement un objet à l'école, puis il pouvait le troquer contre un autre objet. Quelle est la grande raison pour laquelle on fait troc nos trucs à l'école? On ne jette pas les jouets dans la poubelle, mais on les échange. Là, on veut les échanger, c'est pour ça que ça va faire moins de pollution. Ça fait un petit peu plus bien à la planète parce qu'on ne pollue pas de jouets ou des choses. Ça aide avec les changements climatiques parce que certains mondes sont juste trop paresseux, ils le jettent à la poubelle et qui vont se transformer en pollution, mais c'est la pollution qui crée le changement climatique. C'est vraiment un effet boule de neige dans le fond. C'est notre future génération, puis c'est eux qui doivent prendre la relève. Alors, nous, on fait juste transmettre le meilleur de ce qu'on connaît puis de ce qu'on veut leur implanter. Mais c'est vraiment, c'est l'action. Quelle action peux-tu prendre? Quelle action peux-tu inciter les autres à prendre?